et c'est parti, on va maintenant faire la restitution, donc l'explication des cartes pour la première fresque, donc c'est celle avec les orang-outans. Voilà. Donc les enfants normalement ont placé déjà la première série de cartes, donc les cartes vertes, il y a ce premier lot de cartes, et ensuite il y a le second lot. Là, j'ai placé toutes les cartes et on va expliquer un petit peu ensemble, on va voir ensemble comment elles sont disposées et quelles relations il y a entre ces différentes cartes. Alors, donc, vous l'avez certainement compris, beaucoup me l'ont dit, tout part de l'activité humaine. Ça, c'est très bien et c'est logique. L'activité humaine va demander des besoins en alimentation, en carburant et en cosmétiques. Donc, on a ces trois cartes en colonne, juste après l'activité humaine. Et de quoi on a besoin pour s'alimenter, pour les carburants et pour les cosmétiques? On a besoin d'huile de palme. Donc, il y a la carte qui vient par la suite, c'est la production d'huile de palme. Voilà pour ce premier lot, les cartes vertes. Maintenant, les enfants, on va vous demander de faire des flèches et d'expliquer les relations entre ces différentes cartes. Allez, c'est parti. Ok les enfants, donc je vois que vous avez bien placé les cartes et vous avez fait correctement les flèches pour mettre les relations entre les différentes cartes et tout arrive là à la production d'huile de palme. Donc vous avez placé également les autres cartes, le second lot, et qu'est-ce qu'on voit sur ces autres cartes? On voit production d'huile de palme qui amène de la déforestation, parce que pour pour avoir des palmiers, il faut déforester, il faut couper d'autres arbres pour pouvoir créer des champs de palmiers. Alors, je vais faire les flèches directement, donc déforestation, d'accord? Alors, on a la déforestation due à la production d'huile de palme. Donc, cette déforestation va provoquer eh bien, la disparition des orang-outans, parce que eux, leur habitat, ce sont les forêts où on trouve tous ces palmiers. Mais également la biodiversité qui va être menacée. Donc toute la biodiversité. Pourquoi? Parce que tous les animaux qui vivent dans ces forêts vont être menacés, vont disparaître. Et la disparition des orang-outans va également provoquer une menace sur toute la biodiversité, donc les autres animaux et les végétaux qui sont tout autour. La déforestation, donc on a vu la première conséquence, il y a aussi une autre conséquence, la déforestation. Comment on fait pour faire de la déforestation? Est-ce qu'on coupe les arbres, tout simplement? Non, on les brûle. Voilà, la plupart du temps, on les brûle. Et qu'est-ce que ça fait de brûler tous ces arbres? Eh bien, ça émet du gaz à effet de serre. Vous voyez, le gaz à effet de serre, donc il y en a plus. Le gaz à effet de serre, plus il y en a, et plus ça va provoquer un réchauffement du climat. Donc là, on a la carte réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va à son tour provoquer un stress hydrique. Donc stress hydrique, c'est un manque d'eau. Donc le manque d'eau, par le fait du réchauffement, il peut se faire en été comme en hiver. Il va provoquer exactement une menace aussi sur la biodiversité. D'accord? Et il reste une carte, eh bien c'est... celle-là, la baisse des rendements, si vous l'avez placée plus ou moins là, c'est bien, et bien, c'est la biodiversité. Si elle est menacée, elle va provoquer une baisse des rendements. Donc vous voyez là, on a le stress hydrique qui va provoquer une menace sur la biodiversité, mais également, là je fais une flèche, sur la baisse des rendements. Donc la baisse des rendements, c'est le fait qu'il y ait moins de production de blé, de toutes sortes de céréales. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'animaux pollinisateurs comme les papillons ou les abeilles qui vont venir produire toutes ces fleurs. Et le stress hydrique également va faire qu'il y aura moins d'eau, donc ça va pas du tout aider à faire pousser les champs. Et enfin, eh bien, si on a une baisse des rendements, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a moins de nourriture. Donc vous voyez, la flèche, elle était partie de là, on fait le tour. Donc tout est lié, on voit que l'alimentation, eh bien, s'il y a une baisse des rendements, eh bien, il y a moins de nourriture à produire pour nous les humains. Donc bravo les enfants, si vous avez réussi à retracer plus ou moins ce schéma et à mettre les flèches dans le bon ordre. Les cartes peuvent être dans un ordre différent. L'important, c'est de comprendre bien les causes, donc plutôt liées à l'activité humaine, et les conséquences sur l'environnement, la biodiversité notamment, et les orang-outans.
Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est la phase créative. Donc on va vous demander de trouver un titre pour cette fresque, donc un titre choc, un titre qui interpelle, qui parle, et aussi de faire un peu d'illustration, parce qu'on veut que ce soit une belle fresque qui donne envie de s'approcher, de voir et de la comprendre. Donc vous allez faire des petits dessins. Vous dessinez voilà, ce que vous voulez, des petites fleurs. Et je vais appeler des dessinateurs pour le faire. Oui. Alors, Benoît, Ezer, un grand dessinateur. Est-ce que vous voulez venir faire des petits dessins et mettre un titre? Et on va mettre le titre. Alors, quel titre vous avez trouvé? Alors, le titre, c'est au-dessus et le dessin, c'est en dessous. Ouais, ok. Oui, bon, grand titre. Ouais. Titre. Titre et autre. Titre et titre. Et une titre. Oh, et toi, tu fais quoi? Et moi, je mets de la couleur. Une jolie plante. Ça donne envie de s'approcher de l'affiche. Voilà. Génial. Allez, bravo, on vous donne quelques minutes pour faire la même chose. En mieux, j'espère. Oh, ce sera mieux. Hein. Mais elle était trop bien, ma titre, fleur. Titre. Et bravo encore. Eh ben bravo. Vous avez fait la première fresque de Gamori, c'était très chouette, j'ai tout regardé. Maintenant, je vais vous faire la restitution de la seconde fresque. Et encore une fois, tout part des activités humaines. On a besoin de faire quoi? De s'alimenter, de manger. Donc, on va cultiver du maïs, du soja. On a besoin de pouvoir se loger. Donc, on va créer des logements, donc ça va donner de la construction. Et on a besoin aussi... Allez, on aime bien les maisons, nos jardins qui soient tout beaux. Donc parfois, on va importer des plantes d'autres pays. D'accord? Et alors, à partir de là, on aura besoin éventuellement, les agriculteurs, parfois, ils y mettent des entrants. On appelle ça des engrais ou des pesticides ou des insecticides. Donc on aura besoin de ça. Vous avez fait des flèches comme moi? Eh bien, bravo, vous êtes bon. Là, on est vraiment dans les causes et on va voir les conséquences qui en découlent, d'accord? Donc, à partir du moment où on commence à mettre des pesticides et des insecticides, bah forcément, on aura... Coupe! Je ne le voyais plus. Je pensais que c'est que du miel. Le son des abeilles. Ok, super. Donc, on passe aux conséquences de ces activités humaines. Les pesticides, les insecticides, les abeilles ne les aiment pas trop. D'ailleurs, la biodiversité en général, les êtres vivants ne sont pas très pour. Donc, on va avoir une disparition des abeilles. On va également, comme on importe des produits, des plantes d'ailleurs, parfois, il y a des insectes qui se cachent dedans ou ces plantes sont un petit peu malades. Et ça va emmener des nouveaux prédateurs et des nouvelles maladies à des endroits où ils n'existaient pas avant. Tout ça, ces nouveaux prédateurs aussi, ils vont contribuer à la disparition des abeilles ou de d'autres formes de vie dans leur nouvelle maison. Et comme les abeilles sont moins là, du coup, on aura moins de miel. Et également, il y aura une baisse de pollinisation. Et la pollinisation, ça sert à quoi? Ça sert à faire des aliments pour nous et pour les autres êtres vivants. Et du coup, ça va créer une baisse des rendements. Il reste cette carte de construction. Et oui, nous avons besoin de vivre dans des bâtiments, de travailler, d'aller à l'école, de se déplacer, donc avec les routes. Et donc, du coup, on va construire. Et ça va créer des sols artificiels. Et oui, avec du béton, avec du ciment, tout ça, ça va supprimer. On va avoir une disparition des fleurs sauvages, des lieux de vie avec beaucoup de biodiversité. Et ces disparitions, c'est très grave pour les abeilles, mais aussi pour tout être, par exemple les petits papillons qui ont besoin de venir manger le nectar des fleurs. Et ça va créer une baisse de pollinisation. Et ces baisses de rendement, en fait, il y a ce gros mot scientifique. Peut-être que vous le savez si vous avez fait le phrase du climat. Allez, répétez avec moi, c'est... Boucle de rétroaction. Allez, tout le monde ensemble. Boucle de rétroaction. Bien. Allez, tout le monde ensemble. Boucle de rétroaction. C'est quand les effets deviennent à nouveau des causes, ils amplifient tout le système. Donc, il y a des baisses de rendement. Les agriculteurs
ils mettent de plus en plus de pesticides et insecticides, et le boucle est bouclé, ça simplifie tout. Voilà, donc vous voyez le résultat des activités humaines. Maintenant, c'est à vous. Vous allez ensemble, on passe à une phase de créativité. Vous allez mettre un titre de choc. Vous allez ensuite venir illustrer, faire plein de beaux dessins pour donner envie aux autres de venir voir votre fresque. Allez, c'est à vous.